retrouve pour un nouveau vlog en direct de Madrid. On est parti quelques jours à Madrid. Et voilà, on vient d'arriver dans le Airbnb. Il ne faut pas trop que je crie, mais je vois qu'il y a des voisins. Et je vous fais un petit tour de maison. Là, nous sommes dans la cuisine. Regardez, là, il y a un joli parquet. Enfin, c'est une entrée comme ça, là. On va être bien. La chambre du Gabriel. Salon, salle à manger. Montre-moi ta chambre alors, Clara. C'est là. Waouh. Elle est trop bien. C'est la chambre de Lou et moi. T'as un petit placard et tout qui est chulo. C'est la chambre de Lou et moi. Bien. Et là, la chambre des parents. Et là, nous avons une petite salle de bain. Donc, vraiment, vraiment parfait pour nous cinq. Retiro, Retiro. Il est quelle heure là? Il est 4h10, c'est notre premier jour à Madrid. Nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi? Ouais. Oui. Et ça y est, j'ai perdu la notion du temps. Et j'ai perdu l'habitude de faire des vlogs, de parler à la caméra. C'est impressionnant. Donc voilà, ce vlog, voilà, on va visiter Madrid. Vous allez nous suivre avec nous. C'est la troisième fois qu'on vient à Madrid, mais la dernière fois c'était il y a plus de 10 ans au final, parce que Gabriel n'était pas né. Donc voilà, on est super content d'être là, on est super content d'être là avec les enfants. Et voilà, l'appartement est superbe. Là, on s'est arrêté dans un petit bar, j'ai un petit peu filmé et voilà, on s'est pété le ventre, vraiment. Et voilà, donc on est très 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 content d'être à Madrid, quoi. Pépé, un monsieur avec une guitare, t'as droit à un sandwich. Oh non. Allez, ah, Ramon, c'est pour... Maman, tu veux. Moi, si je trouve le mec à la guitare, oui, sur un cheval, j'ai droit à une bière. Gabriel, si tu veux le kilomètre zéro, il a droit à rejouer. Et... Ah, bah, c'est Ramon. Apparemment, enfin, on en a déjà vu trois, c'est une chaîne qu'il y a ici. Ah, il y en a quatre à... Ben, on en a déjà vu deux. Ah d'accord, ils sont tous. Donc voilà, et je vais vous montrer un petit peu les spéciales, enfin, y compris les enfants. Alors, Lou et Clara, elles ont pris un bikini.
Gabriel, il a pris un sandwich de jamon, de haricots. Et alors, Nicolas, il a pris un sandwich de calamar, qui est vraiment la spécialité de Madrid. Et comme vous pouvez le voir, il y a du jamon de partout. Alors, une grande différence ici, quand vous commandez une bière, vous avez une petite tapa comme ça, qui va avec. Ce qui ne se fait pas à Barcelone. D'ailleurs, on a eu des saucissons avec le chorizo et tout. Ce qui ne se fait pas à Barcelone. Ça se fait dans le reste de l'Espagne. Hello! Alors, c'est notre deuxième jour à Madrid. Hier, nous avons fait le quartier des lettres, Plaza del Sol, le kilomètre zéro, le Retiro. Bon, enfin, on a fait comme ça une route dans le centre, etc. On a énormément marché. On était vraiment super fatigués. Hier soir, on a encore donné un petit tour. Je vous ai pas repris après parce que j'étais vraiment crevée. Et on a fait un petit tour dans le quartier, là où on est. L'appartement est vraiment génial pour 4 jours. Il y a tout ce qu'il faut. Il est super agréable. On a vraiment très, très bien dormi. Et on s'est levé très tard, vers 9h-20, quelque chose comme ça, 8h30. Enfin, on était vraiment fatigués. Et aujourd'hui, on va faire le Reina Sofia, on va aller au quartier Lavapiés, quartier... Qu'est-ce que c'est ça ? Quartier Lavapiés, quartier La Latina, Chueca, on va faire la Gran Vía, enfin plein de choses. On vous amène avec nous. Je vous reprends, il est 5h15, on s'apprête à ressortir, on va aller se promener et aller au Reina Sofia. On a réussi à avoir des places, il y a des entrées libres de 19h à 21h, donc c'est parfait. Et voilà, vous dire que...
personne non quiere subirte. Oui, c'est parfait, c'est là où on avait dansé. Hello, alors aujourd'hui nous sommes samedi, c'est notre dernier jour à Madrid, on part demain. Voilà, aujourd'hui Gabriel et Nicolas ont fait deux équipes. Gabriel et Nicolas sont allés visiter le Wanda Metropolitano, qui est le stade de l'Atlético de Madrid. Et Gabriel est un grand fan de l'Atlético, c'est son club préféré, donc voilà, c'était inévitable, on devait le faire. Donc voilà, moi je vais aller au Retiro avec les filles, vous dire que voilà, on est super content d'être ici. Dès qu'on voyage, on s'imagine vivre dans la ville. Donc là, avec Nicolas, on se dit, ah ben tiens, pourquoi pas projeter de vivre un an ou deux à Madrid, etc. Enfin bon, voilà. C'est génial, c'est super grand, c'est, je sais pas, les habitudes sont différentes et tout. Donc on observe. Par exemple, le premier jour, on a bu des coups, on a demandé les tapas. Et en fait, parce que voilà, on a observé et on a bien remarqué que les gens, en fait, ils prennent qu'à boire. Et avec la boisson, il y a une tapa qui va avec. Et à Barcelone, ça ne se fait pas. Donc, on demande toujours à boire et à manger. Après, à Barcelone, la boisson est quand même moins chère. On peut avoir une bière pour 1,80€. Ici, c'est plus autour de 2€, 2,50€. Mais il y a la tapette qui va avec. Donc, le premier jour, voilà. Après, tu observes toujours l'habitude des gens quand tu arrives dans une ville. Donc, on a observé, on a vu. Donc, le deuxième jour, effectivement, la note a vachement baissé parce qu'on demande qu'à boire. Et voilà, on a une petite tapa qui va avec. Après, aussi... Donc voilà, déjà dès le deuxième jour, les notes sont descendues puisqu'on ne demandait plus à manger. Et après, oui, un truc qui nous est arrivé hier, mais à Barcelone, mais ça ne se fait jamais, on a demandé de l'eau pour les enfants et on nous a donné une carafe avec de l'eau et des verres. À Barcelone, jamais ça n'arrive. À Barcelone, c'est toujours de l'eau... en bouteille, quoi, de l'eau minérale que tu payes. Donc voilà. Et puis je vous parlerai un peu plus tard, parce que là on va partir avec les filles, on est assez pressé. Je vous parlerai du budget que nous a coûté Madrid pour une famille de 5. Et puis aujourd'hui c'est un grand jour parce que c'est le premier jour, nous sommes le 26 juin et c'est le premier jour où on peut sortir dehors sans le masque. Donc voilà, on est content. Allez-y. Avec votre moustache. Cansando al lado de un pozo, a la sombra de un ciprés, a la sombra de un ciprés.
retour à la maison. Voilà, mais c'était hyper rapide le retour. Je vous ai pas repris depuis hier, je pense. Hier, j'ai un peu moins filmé. Voilà, c'était les derniers jours. Je sais pas comment on donnera ce vlog parce que j'ai d'un jour à un autre, tu oublies un peu ce que tu as dit ou ce que tu as filmé. Voilà. Pour résumer, Madrid, ça nous a vachement plu. J'ai trouvé cette ville très belle. J'y avais déjà été, mais je l'ai trouvée encore plus belle. Vraiment, j'ai adoré. Je m'y verrais bien vivre un an ou deux pour essayer, bien connaître et faire le tour. Donc c'est typique, ça. À chaque fois que tu vas quelque part, tu as envie de vivre là-bas. Je ne sais pas si ça vous fait ça, moi ça me fait ça. Donc voilà, j'ai adoré, je me ferais bien une expérience d'un an ou deux à Madrid. Vraiment, j'espère qu'on y retournera plus souvent parce que finalement ça va très vite. On a mis 3 heures à l'aller, 2h30 au retour, donc vraiment super. Pour vous parler du budget, oui, donc j'avais reçu une offre en low cost pour le train, et donc j'avais pas réfléchi, j'avais sauté sur l'offre et je me suis dit tu poseras tes vacances après. Voilà, donc on en avait eu pour 40€ aller-retour pour 5. Donc j'avais pas réfléchi, effectivement 40€, ça nous fait, en fait c'était 5€ par personne l'aller, donc 10€ donc aller-retour pour une personne. Donc x 5 c'était 50€ et on a une remise de famille nombreuse, donc 40€ l'aller-retour, j'ai pas réfléchi, j'ai pris. Donc ça a vraiment baissé le coût du week-end. Pour le Airbnb, qui était vraiment, il avait tout ce Airbnb, il était bien placé, on est vraiment très très bien tombé, c'était 310€ pour 3 nuits. Donc voilà, donc en tout le voyage plus le Airbnb, ça nous a coûté 350€. Donc vraiment c'était pour 5, c'est génial quoi, pour 4 jours et 3 nuits. Et donc voilà, niveau budget, 350€. Et après, on avait 300€ à peu près pour manger là-bas, etc. Et on a tout passé. Enfin, franchement, je ne m'attendais pas à autant. Mais Madrid est un peu plus cher que Barcelone. Les boissons, alors c'est vrai. Alors, comme je vous disais, je vous l'ai dit dans le vlog un peu plus tôt. Mais effectivement, le premier jour, on a pris des boissons pour les enfants, on a pris à manger, etc. Après, on a compris, les enfants, ils prenaient une boisson dans la journée et puis voilà, on ne répétait pas forcément les boissons des enfants parce que ça chiffre vite. Et on savait qu'en demandant la boisson, on avait à manger, donc le deuxième jour, on s'est un peu plus adapté. Mais quand même, entre les glaces, les petits sandwichs, les petites boissons, etc. Oui. Et encore qu'on a eu le Reina Sofia. Alors ça aussi, c'était pas négligé. Si vous voyagez, regardez s'il y a des entrées ou des moments où les musées sont gratuits. Nous, de 19h à 21h, le Reina Sofia, c'était gratuit. Donc ça nous a permis de voir Guernica et de voir le Reina Sofia de manière gratuite. Donc pour une famille de 5, c'est un budget à ne pas négliger, les visites. Et bon voilà, et avec les enfants, on a fait le Reina Sofia parce que Clara avait fait Picasso, donc ça lui tenait à cœur de voir Guernica pour de vrai. Mais on n'a pas fait le Prado parce que voilà, c'est trop énorme. Et là par contre, c'était pas gratuit, c'était 15€, donc on n'avait pas passé ce budget. Les enfants sont encore petits, enfin pas Gabriel, mais les filles sont encore petites pour apprécier ce genre de musée. Donc le choix était vite fait. Donc on est vraiment ravis de ce week-end, ça nous a donné de l'énergie. Après, on a vu des différences entre Barcelone et Madrid. Le métro nous a surpris parce que le métro, il est beaucoup plus étroit à Madrid. Vraiment, là où tu attends le métro, c'est étroit. Donc, nous, on avait peur parce que ça nous paraissait très proche, là où passe le métro. Le métro en lui-même est plus étroit. Et l'attente, sûrement parce que c'est plus grand, c'était du 5-7 minutes, alors que vraiment à Barcelone, toutes les 3 minutes, ton métro passe, quoi, est beaucoup plus large. Donc voilà, les prix nous ont paru un peu plus chers. On a trouvé que les Madrilènes étaient plus stricts et plus speed dans le stress. Bon, après, c'est la capitale, c'est grand, etc. Mais Barcelone, les gens sont plus détendus, plus sympathiques, ouais, ils nous ont paru moins avenants finalement. Alors que moi, je m'attendais vraiment à ce que les gens soient avenants, etc. On a trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Alors, je ne sais pas si c'est la période, etc. Ou je ne sais pas où étaient les familles à Madrid.
Mais à Barcelone, il y a vraiment beaucoup de familles et beaucoup plus d'enfants. Et que dire d'autre plus de différence entre Barcelone et Madrid? Ah oui, en Barcelone, il y a énormément de chiens. Il y a des chiens de partout, ils adorent les chiens. Donc, qui dit chien dit beaucoup plus de pisse et de merde dans la rue. Et là, à Madrid, pas beaucoup de chiens et les rues étaient assez propres, etc. Donc, ça aussi, ça se note de suite. Donc voilà, vraiment ravie, n'hésitez pas à me poser des questions hein, sur Madrid, sur les déplacements en famille comme ça. Voilà, nous c'est un budget sur lequel il y a plein d'autres choses sur lesquelles on passe, mais on aime bien quand même les week-ends, on aime bien amener les enfants en week-end. Donc voilà, on est vraiment ravis. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !